Et rebonjour les amis, donc comme prévu dans la dernière vidéo sur le Grette, je vous avais dit que j'en avais trouvé deux aujourd'hui. J'ai aussi trouvé un cerf de Virginie, on va aller le tirer ensemble celui-ci aussi. Il est là. Faut vraiment le vouloir pour le louper celui-ci quand il pop. Il y a vraiment des bois monstrueux. Ça c'est mon deuxième cerf de Virginie, donc si je me trompe pas, en tout ça va être le 20e depuis le mois de janvier en Grette, mais seulement le deuxième cerf de Virginie, j'en avais pas trop fait. Oh bah, il est tombé net. Je le tire avec la bonne arme. Oui, c'est bon. Allez, on va aller chercher ça. Ils ont vraiment des bois magnifiques, les cerfs de Virginie. Le premier cerf de Virginie, je l'avais fait sur New England quand elle était sortie. Tout simplement parce que j'avais jamais acheté Raven to Lee. Et puis là, il y a 2-3 semaines, je me suis dit, tiens, je vais quand même l'essayer de l'acheter. Et c'est vraiment très très facile sur Raven to Lee de faire pop le cerf de Virginie. Du coup, je pense que même les élans, je vais les essayer sur celle-ci aussi après. J'ai fait tous les autres, j'en ai fait 8 sur Taiga, mais je vais essayer de. D'en faire les suivants sur Eventually. Ouais, il est magnifique. Ils ont vraiment des bois de fous furieux. Ouais, bah j'espère que de votre côté ça avance aussi. Et je vous dis à bientôt, j'espère pour les prochains.